enfin. Quelqu'un qui s'intéresse à la vérité. L'officier qui pisse dans le café mondialiste de ces cinglés. Toute cette histoire de secte pue du cul. Et tu sais que c'est vrai. Dis-le. Dis-le avec moi. Allez, on est les esclaves du gouvernement. Ouais, voilà, ça y est. Le contrôle mental. Oui, monsieur, c'est leur objectif depuis le début. Tu le sais et je le sais. Et tu veux savoir comment ils s'y prennent? La bouffe. Eh, c'est fini tout ça. Toi et moi, on va bien niquer le gouvernement, en long et en large. Moi, c'est Zip Kupka. Je t'expliquerai tout en route. Allez. Rap, je conduis. Le monde court pas à sa perte, comme dit la secte. C'est juste un complot diabolique. Le monde court pas à sa perte. C'est juste un complot diabolique du gouvernement pour détourner notre attention de ce qui se passe vraiment dans le monde. C'est ici que se concentrent toutes les saloperies du gouvernement. Produits chimiques, manipulation climatique, pesticides, modifications génétiques à tous les étages. Un peu les environs du parc à béton. J'ai trouvé des barils plein de cette saloperie. De quoi je parle, hein? Leur crasse. Ils enfilent aux animaux, et après, on les bouffe. C'est la drogue du conformisme. Faut absolument qu'on détruise tous leurs outils d'endoctrinement. Et quand je dis on, je veux parler de toi. Moi, je suis trop attaché à ces bêtes. J'arriverai jamais à les abattre. Eh ouais, officier. Faut que tu les euthanasies. C'est la seule solution. Tu dois tuer toutes les bêtes. Tu sais, t'es pas si mal pour un pion du gouvernement. Les voilà, officier. Oh, mes pauvres petites bêtes. C'est mieux comme ça. Attention, tout le monde est arrivé. Pour ceux qui restent.
et animé par l'esprit de la liberté. Je vais aller poser quelques mines. Leurs renforts vont devoir affronter la colère divine. Si ces démons reviennent par ici, ils auront une petite surprise. Ça devrait faire l'affaire. Ça leur apprendra à faire du mal à de pauvres petites bêtes sans défense. Et ils arrivent. Quoi? Non! Non! Ils envoient les vaches! Ryan? David? Sheila? Non! Allez-vous-en, les filles! Faites du...
Ça me fait chier, les Lita. Enfin, au bout du compte, on a quand même gagné la bataille. Mais bon... ça me brise le cœur. Ces créatures méritaient mieux que ça. Pourquoi la liberté coûte aussi cher? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que quelqu'un paie? Tu sais ce qu'on va faire? On va frapper là où ça fait mal. Ces pauvres bestiaux ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse savourer notre liberté. C'est des patriotes et des héros. Nous rendrons hommage à leur sacrifice. Parce que l'histoire nous dit que toute grande victoire commence par une tragédie. Eh oui. C'est l'heure de passer à l'action. Mais où? Tu vas me dire? La vieille mine d'or. C'est comme ça que le gouvernement finance toute sa petite opération. Ouais, tu croyais que c'était fermé, hein? C'est ce qu'avait dit le gouvernement. Faut être débile pour croire le gouvernement. Moi, je te le dis, tout est lié. C'est au moins 10 fois Fort Knox là-dedans. On va faire tomber ce complot mondialiste et rendre l'Amérique à son peuple souverain! Ces démons parlent tout le temps d'effondrement! Ils vont voir ce que c'est! Prends ces charges de termites. C'est les mêmes que celles qui ont démoli la tour 7. Pose-les sur tout l'or que tu verras. Vas-y, cache! Et mort aux vaches, ma petite caille! Quoi? Tu m'attendais? Putain! Je prends ma retraite! T'as vu ce qui s'est passé? Vraiment moche comme truc. Attention à la douleur.
quoi, ce moment? J'attaque la cible.